représente la boxe française et je suis ici pour faire découvrir aux enfants de l'école des sports ce sport au travers de notre association. Alors on est resté sur des techniques de base, donc des enchaînements, des petits enchaînements aux poings et aux pieds, puisque la boxe française utilise les poings et les pieds. Donc on est resté sur des directs, des crochets, et on a vu un petit peu ce qu'étaient les chassés et les fouettés. Donc des techniques assez basiques, puisqu'il y a d'autres techniques beaucoup plus complexes. Mais avec les deux jeunes enfants, on reste sur des techniques simples. On les fait travailler sur des cibles pour éviter qu'ils se tapent dessus et qu'ils se fassent mal, puisque c'est quand même un sport de contact. Et étant donné qu'ils n'ont pas de protection, on reste sur des exercices sur cible. Je trouve que la boxe c'est bien, j'aime bien. Et puis j'aime bien m'agarrer. Je pense que la boxe c'est amusant aussi parce que j'aime bien me bagarrer, alors c'est bien. Et j'ai appris comme coup le direct, le chassé et la garde. Bien, la séance que nous venons de faire avec ces jeunes enfants, donc des 4-6 ans, avait pour but de faire découvrir à ces jeunes le tir à l'arc pour que peut-être dans un avenir un peu lointain, 6 ans, ils ont encore au moins 4 ans à attendre, ils puissent venir s'inscrire dans notre club AMTA, Association Maurepas Tir à l'arc. Donc la séance d'aujourd'hui était une séance de prise de contact de l'arc, de la découverte de l'arc, des consignes de sécurité, c'est très important, on manipule une arme qui est dangereuse, donc il y a un certain nombre de consignes à respecter, et donc on a fait comprendre à ces jeunes que manipuler un arc, ça ne se fait pas n'importe comment. Pour la fin de stage, on a organisé un tournoi de foot, l'Euro Maurepas 2016, 8 équipes de 6 enfants, donc chaque équipe a un nom de pays, qui est représenté par un drapeau qui est autour du terrain. La prochaine date du stage, elle va se dérouler sur les vacances de printemps, c'est-à-dire du 17 avril au 29 avril, sur les 2 semaines. L'intitulé du stage sera la semaine américaine. Donc les enfants vont pratiquer plusieurs sports américains, notamment le foot US, le baseball, le soccer bien sûr, le basket. Et nous avons peut-être, je dis bien peut-être parce que nous attendons une réponse, une équipe de football américain qui viendra nous proposer une initiation. J'ai aimé, il y a eu de l'action, oui. On a gagné des matchs, on a perdu, mais j'en suis sûre, on va se rattraper. En fait, j'aime bien parce qu'on fait des foot et avant j'arrivais pas, maintenant j'arrive et c'est super chouette.